information que nous gagnons, mais nous voulons avant nous arriver dans les affaires qui sont monde, mais faut que nous gagnons preuve et bon j'en preuve. C'est pour ça que nous demandons toute institution pour commencer le travail et chef CSPN, le premier ministre, il prend le travail pour rapidement nous mettre l'institution ensemble pour nous capables de joindre bon j'en preuve sous des allégations et des informations que nous avons. Nous rencontrons tout, moi passer l'ordre pour des contrôles qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Par exemple, contrôle qui pour fait particulièrement dans Port Saint-Marc, dans Port Cap-Haïtien, dans Port Lafito, c'est côté plus d'âme et munitions passées entrées en un pays. Et sous même aspect ça, tout, nous demandons au Premier ministre pour presser les rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères là, pour rencontrer avec l'autorité américaine. Sous la question ça, pour être plus bon coup de que nous avons parce que munitions yo, avec un pile dans les armes, ils sortent dans des conteneurs d'effets personnels qui sortent aux États-Unis qui entrent en Haïti. Pour nous, qui plus bon contrôle que nous avons, pour nous, si c'est des Haïtiens qui vivent aux États-Unis pour nous donner une possibilité pour nous capables de faire entrer, ça veut dire déporter pour nous-mêmes, pour nous avoir une puissance dans le pays. Et si c'est des étrangers qui sont, pour nous, qui plus bon manière, deux pays qui mettent tête ensemble pour nous arriver à joindre une bonne solution, parce que j'en connais là, c'est pas Zamio avec munitions, ce n'est pas pour contre eux, ils ont monté dans le conteneur, ils ont rentré en Haïti. Ça veut dire, ils ont pas un, ils ont un qui mène dans le conteneur, et pour le conteneur, ça va arriver dans le pays. L'autre décision nous prend, même si nous connaissons pour affaire coronavirus, nous écrivons en ligne rouge, en ligne téléphone rouge. Nous demandons au ministre de la Justice là, pour rapidement, il y a une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire la police annonce nous que nous avons un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que le monde a bien pour nous faire. On croit qu'il y a arrivé jusqu'à 250 appels heure. C'est-à-dire c'est pour permettre que au monde qui a des informations sous affaire de sécurité, ça veut dire qu'on va arriver devant, ou elle, faut nous suspendre dans les affaires G-Web Bouche PA, c'est G-Web Bouche Palais. Et là, ça, monde l'a toujours kembe anonymali, nous n'avons pas besoin qu'on ait qui monde, c'est justement la collaboration police-population. Et l'autre point encore important que nous chita sous lui, nous parler de lui, c'est les affaires compagnie sécurité. Parce que quand il y a une compagnie sécurité qui importe munitions avec Zama Feto dans le pays, nous croyons qu'il y a un contrôle qui va le faire pendant 5 dernières années pour voir exactement qui quantité, qui type de armes que la compagnie sécurité a importé, qui côté où est, qui est-ce qui observe avec eux. Et qui quantité de munitions tout pour nous comparer entre pour nous voir quantité de munitions que vous commandez avec utilisation pour nous garder est-ce que ça est soutenable. Nous croyons que le premier ministre là, qui est chef CSPN l'a gagné pour le faire pour demander la police pour faire travail ça. Et faut pas oublier que kidnapping dans tout à chaque moment mon kidnapping qui fait ça crée un émoi non niveau population, c'est sur l'émotion que nous travaillons. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour que le bon kidnapping qui fait pour nous demander population pour l'accompagner nous. Parce que le barré route pour être un kidnapping, c'est compliqué, le compliqué problème. Ce n'est pas résoudre que résoudre. Ça veut dire accompagnement pour la population, c'est important qui va permettre que. En temps réel, automatiquement que le kidnapping n'a fait, nous-mêmes, nous sommes capables de connaître. Et là, ça,
collaboration population, c'est lui-même qui pour nous ça n'a pas cherché. Maintenant pour les affaires auteurs intellectuels kidnapping, pas oublier, nous te songer dans l'année 2013-2014 comment kidnapping n'a pas dit depuis 2011 comment kidnapping t'a fait ravage dans le pays. Une seule arrestation était faite et puis kidnapping n'a pas fait. Et nous songer dans l'année 2016, disons 2015-2016, kidnapping n'a jusqu'en 2017, kidnapping n'a pas zéro. Ça veut dire, pour une raison bon là, disons, là nous parlons de 2017, même 2018, parce que en fait, c'est, nous commençons à connaître une grosse vague de kidnapping dans le pays à partir de décembre 2019 pour arriver à un moment à parler là. C'est pour dire nous que kidnapping n'a pas l'autre objectif qui n'est pas objectif seulement pour kidnapper les gens pour faire l'argent, mais il y a un objectif politique tout. C'est pour ça que nous prenons disposition pour que bon gens contrôlent le métier à tous les niveaux dans l'État pour nous capables d'arriver à faire face à la situation d'insécurité. Parce que l'insécurité, ce n'est pas bon pour personne. Nous-mêmes, nous dirigeons le pays, si l'insécurité, ça il n'y a pas de problème, ce n'est pas notre activité, ça nous tapons le matin, nous tapons l'autre. Et nous profiter, féliciter le comportement démocratique, tout le monde qui était dans la manifestation hier, qui aidait la police à faire travail. D'ailleurs, je encourage tout le monde qui a l'idée pour ta manifestant dans le pays, pour toujours qu'il y ait le même comportement non-violence, qui baille la police possibilité pour sécuriser vie à bien réellement. Parce que craser, briser, ce n'est pas un bagage qui est bon, ce n'est pas un bagage qui est capable de nous cap manifester pacifiquement. Nous avons travaillé et pile effort qu'on fait dans le niveau police là, forme de décision finale que nous prenons. Nous prenons décision pour nous mettre une cellule anti-kidnapping rapidement pour renforcer la cellule anti-kidnapping dans le DCPJ. Mais ce n'est pas le monde qui a sauté dehors qui a dans la cellule. Ça, faut nous clair pour nous comprendre ça. Ça veut dire une synergie qui peut créer entre toutes entités qui sont dans l'État déjà. Nous voulons parler de sécurité publique avec le nouveau secrétaire d'État sécurité publique. Nous voulons parler de ministère intérieur. Nous voulons parler de toute l'entité qui travaille dans les affaires de renseignement et d'intelligence dans le pays. Pour nous mettre tête ensemble, sous leadership directeur général de la police, pour nous capables de mettre un bon contrôle dans les affaires de kidnapping. Pour les affaires d'équipement, il faut nous dire que nous avons une phase finale pour nous recevoir des équipements qui permettent que la police, avec DCPJ, travaille pour notre temps réel, nous sommes capables de gagner bonnes informations sur tous les actes de kidnapping qui ont fait dans le pays. Et la décision encore que nous prenons décision pour que au niveau de la police, il y ait bon contrôle interne qui mette. Et le directeur général de la police qui confirme que nous commençons d'ailleurs, et ceci depuis plus de deux mois, avec contrôle interne, ça qui permettent confiance que la population doit gagner dans la police à les renforcer. Et nous avons confiance ça, de commencer à renforcer, qui pour permettre que la police là, aujourd'hui, les gars fait travailler comme ça doit. Ça veut dire que toute institution, publique ou privée, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des gens qui là, qui fait des ordres. Mais les gens qui font des ordres, il n'y a pas qu'on peut garder. Par exemple, dans la police, il y a l'inspection générale. Dans tout l'autre côté dans l'État, tout, là, il y a des ordres qui font, les gens qui font des ordres là, il y a des entités qui là pour capable de rappeler la loi. Et dans rappeler la loi, ce qu'on veut, c'est jusqu'à révocation ou même parfois emprisonnement. C'est pour me dire que
nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, nous pas ménager effort nous pour nous capables de mettre le pays en sécurité. Parce que, en fait, je dis, moi, en pile monde parler de problème d'insécurité, mais il faut me dire que le problème d'insécurité, ça, que nous vivons dans le pays aujourd'hui, il n'est pas supposé un problème côté, c'est un seul groupe qui est concerné pour porter solution. Nous-mêmes, nous pas nous, comme l'État, c'est travail, mais travail dans le travail, là, j'en, nous dis, nous besoin d'accompagnement de tout le monde. Que monde qui est dans l'opposition politique, que monde qui est dans le pouvoir, nous avons besoin d'accompagnement de tout le monde pour nous apporter de bons résultats à peuple là, pour que la sécurité tourne dans le pays. Et en parlant de monde qui est dans l'opposition politique, je profite de l'occasion pour me dire tout que à chaque fois que le pays a des turbulences politiques, c'est pour nous regarder à qui est-ce que la crise a profité. Il a toujours profité à bandits. Il a toujours profité à moun yo qui nage dans des eaux troublées. Et c'est pour ça que je dis, hein, nous avons fait l'important pour acteurs politiques dans un pays, hein, nous capables de mettre tête nous ensemble, nous chita attendre, pour nous capables de jouer une bonne solution côté pays ça. Parce que nous voulons que nous parlions, moi-même, 35 ans après que nous entrons dans l'ère démocratique là, moi crois que bagayou pas marché bien. Moi, l'exemple Jérémy, comme de Jérémy samedi, un magistrat dans le discours, il dit ça il y a 35 ans depuis que Jérémy était en courant. Après 35 ans, ça veut dire que ce n'est pas possible. C'est pour nous dire que je dis, hein, c'est pour mon mari de nous mettre tête nous ensemble. Pour problème commun, nous adresser ensemble. Nous ne pas obliger que je dis, hein, c'est l'équipe ça qui est sous pouvoir, on me frappe. Parce que demain, c'est craser pour nous craser, pour nous-mêmes, pour nous pouvoir. Non. C'est pour nous mettre tête ensemble, pour nous capables de sortir du pays. Parce que moi-même, quand je parle avec nous là, moi, dans la dernière année, madame comme président, ça veut dire, l'année prochaine, dans les consacres, c'est le président qui vient dans le pays. Et là, le président ça a venu, moi, nous-mêmes, par exemple, si le président ça n'est pas sorti dans le même bloc politique avec nous, seul ça m'a bien, c'est travailler avec lui. Pour accompagner, pour expérience comme ancien président, pour venir mettre au service, pour mettre le service par le service peuple. Je remercie encore tout le monde qui était présent. Population, m'a dit nous, qu'elle veut confiance nous dans l'autorité qui a pour mettre la sécurité dans le pays, la police en particulier, nous travaillons pour que la sécurité retourne dans la famille. Haïtienne mieux. Encore, collaboration nous, pas ménager les. Bye, moun qui responsable sécurité, les parties qui font partie très jeune, qui font prendre pension très jeune. Et pension, on prend tout le monde comme le bandit prend pension qui vont aller. Ça veut dire, je dis, hein, nous pas d'arrêter, parce que au bandit, que ou c'est un citoyen normal ou c'est haïtien. Ça veut dire, je dis, hein, le que nous-mêmes, au niveau de l'État, nous disons non, ça veut dire nous-mêmes qui bandit, si vous ne pouvez pas comprendre que l'État dit non, le ça rôle l'État, c'est faut comprendre qu'il dit non. Merci un peu. Pour que UCREF, ULCC, ministère des Finances, Banque République d'Haïti, tout le monde net, mettez tout ensemble pour nous commencer à suivre. Mouvement aussi de l'argent avec bon genre d'outils légaux qui ont fait dans le système financier parce que dans pile